L'équipe de rugby à 15 de Biganos recevait dimanche Caso pour le dernier match de poule. Un derby d'autant plus important que les deux équipes en tête du classement se disputaient une place pour les demi-finales. C'est finalement Biganos qui décroche son ticket sur le score de 25 à 8. Je tenais à féliciter d'abord mon équipe quand même qui a bien tenu cette première mi-temps mais qui malheureusement a été défaillant sur la seconde. On a eu des temps importants sur la première où on n'a pas concrétisé, malheureusement défaillant en touche. Donc ces ballons sont importants pour nos lancements de jeu qu'on n'a pas quoi. Donc du fait on n'a pas su marquer. La deuxième mi-temps a été bien meilleure pour Facture qui mérite d'avoir gagné son match. Ils ont été plus assidus, plus constructifs dans leur jeu et voilà quoi. Il faut un gagnant, un perdant et ben voilà malheureusement nous sommes les perdants. Bah du coup on va jouer la troisième série, on a les demi-finales qui s'enchaînent dès le week-end prochain. Et c'est vrai que nous on avait plus l'objectif de faire cette deuxième série, sachant que l'année dernière on avait déjà fait cette troisième série. Et ben maintenant à nous de se mettre le défi de revenir au fait du rugby qui se passe au Stade Bordelais et puis essayer de faire au moins un tour au championnat de France. Très fier de mes gars, très fier des joueurs. Voilà, c'est un derby, c'est jamais simple. On était un petit peu nerveux en début de partie et ça s'est débloqué très vite. Maintenant, l'objectif, c'était donc de finir à la première place. C'est fait pour se déplacer sur les demi-finales et recevoir en deuxième match. Mission accomplie pour l'instant. Match très, très compliqué au début quand même. On s'est mis quand même beaucoup de pression. Ensuite, tout le monde a su se libérer, on a pu jouer notre jeu, on ne les a pas laissé imposer leur rythme et du coup, ça nous a amené à la victoire. Et maintenant, l'état d'esprit, c'est la fête, on est premier de championnat, on va aux demi-finales qu'on attendait, on a fait le deuxième retour de saison complètement réussi, donc pour nous une grande réussite je pense. Si on gagne les demi-finales, oui, c'est la montée, c'est ce que le club vise, c'est ce que tous les joueurs visent, on est tous là pour ça et on espère atteindre l'objectif. De tout notre cœur, quoi. Après, une demi-finale, un bouclier, monter en première série. Et je pense qu'avec un état d'esprit comme on l'a vu aujourd'hui, viser quelques tours sur le championnat de France et pourquoi pas arriver. Hein.